Et salut tout le monde, c'est Jeux Vidéo Continue. On se retrouve pour le 8ème épisode de Evoland 2. Donc dans l'épisode précédent, on avait fini de faire nos travaux, on avait gagné de l'argent. On avait aussi fait une partie de millions. On devait gagner 1 million, bon on s'est fait arnaquer. Mais on a gagné que 300 glisses, c'est des glisses je crois que ça s'appelle. Dans le 1, ça s'appelait des glisses. Dans celui-là, je sais plus. Donc, bah, c'est parti, on va parler à elle. Oh, vous avez fini tous les petits boulots. Si ça vous dit, vous pouvez recommencer, vous savez. Voici la liste des postes disponibles. Dites-moi ce qui vous intéresse. On peut recommencer, mais il n'y a pas besoin. Je vous comprends, vous savez. Dites-moi quand vous serez décidé à travailler. Ok, on peut recommencer pour gagner, mais je pense que ça sert à rien. On va aller parler à Monsieur Lambrouille alors. Monsieur Lambrouille alors, vous m'avez apporté les 150 glisses nécessaires. Ah ok, en fait il en fallait que 150, ok. Oui. Félicitations, vous avez bien bossé on dirait. Bon, j'imagine que vous voulez partir au plus vite. Tenez, voilà la clé qui vous permettra de sortir par les égouts. Inutile de me remercier, votre contribution financière me réchauffe déjà le cœur. Ok, on a la clé. Vous avez obtenu la clé des égouts, elle dégage comme une odeur de rat mort. Ça y est, on va enfin pouvoir quitter cette ville. Merci mademoiselle Fina, grâce à vous je vais pouvoir revoir mon fils et peut-être est-il encore temps de sauver mon peuple. De rien Ménos, c'est normal de s'entraider quand on partage le même destin. Le même destin? Nous autres démons, nous ne croyons pas au destin, seulement au libre arbitre. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer, c'était une façon de parler. Il n'y a pas de mal, je suis navré de m'être emporté. Kuro, je pense qu'il est temps que tu reprennes la tête de notre petite expédition. Allons-y. Attendez. Tenez, prenez ça, un petit souvenir de ma part. Avec le remerciement de la maison. Vous avez obtenu un badge de fidélité, le genre d'objet qui servira strictement à rien. Ok, comme ça, ça s'est dit. Ok, donc c'est parti. On va pouvoir sortir de cette ville. On va voir ce qui nous attend. C'est parti. Alors. Mais non, il y a un cube de Mario Bros. Ok. Pourquoi pas. Donc en fait, on continue juste le niveau dans les égouts. Comment on fait déjà? Ah ouais. C'est mon trésor, ne pas toucher. Monsieur l'embrouille. Ok. Oh, en fait, si je me trompe pas, on a récupéré les pièces qu'il nous avait volées. Ok. Ah non, on est sorti, ok. Enfin libre. Alors Kuro, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrer chez nous, suivre mes noces et si on mangeait, trouver un magilite, tuer des monstres et gagner de l'XP. Je sais pas. Et si on mangeait, rentrer chez nous. Oh! Je sais pas quoi choisir. On va choisir la première proposition, hein, rentrer chez nous. Ça c'est une bonne idée, mais je ne vois pas comment. Alors qu'est-ce qu'on fait, Kuro? Suivre Ménos, je n'ai rien contre lui, mais ça a l'air dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Kuro, ok. Donc ça doit être ça. Mais oui, c'est ça. Excellente idée. Je ne sais pas exactement comment
On est arrivé ici, mais c'est lié aux magilites. Si on en trouve un, peut-être qu'on pourra rentrer chez nous. Ah, il faut faire vite, mon père va s'inquiéter. Quoique, si on considère que le Magilith nous permet de voyager dans le temps, il n'est même pas encore né. Donc si on revient avant d'être parti... Ah! J'ai du mal à réfléchir en 4 dimensions. Je n'ai pas très bien compris votre problème, mais si vous cherchez un Magilith, il y en a au nord du campement de mon père. Vraiment? Tu entends ça, Kuro? C'est notre chemin de retour. On va t'accompagner, Mélos. Enfin, si ça te convient. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Fina. Je ne sais pas s'il sera facile d'atteindre le campement de mon père. Si j'en crois les rumeurs, le pont de Mayenne est tombé aux mains de l'Empire. Mais peut-être pourrait-on le franchir. Partons vers le nord, nous déciderons une fois sur place. Ta force nous sera utile, Mega Clink. Allons-y. Ok. Donc on part à l'aventure. Voilà, on n'a pas de barrière là. Faut que j'aille au nord. Ok. Ah ouais, ok. Genova. On va essayer de rentrer, voir. Ok. On va ressortir. Au nord. Clairière. On a quoi ici? Ouais, on va pas aller ici, on va aller au nord où nous a dit Menos. Le pont. Ah, ça doit être ça le pont. Pont de Mayenne. L'Empire mène des opérations militaires en territoire ennemi. Les civils ne sont pas autorisés. Au-delà. Ils ne sont pas autorisés au-delà, ok. Désolé, personne n'est autorisé à traverser le pont en ce moment. Ok, donc je pense qu'il va falloir que je trouve comment faire pour y aller. Comme je le pensais, ils ne veulent pas nous laisser passer. Il y a forcément un moyen courant. Continuons à chercher. Plaine de Dagorlad, Démonia, ville de Genova. De Genova. Ah, je sais toujours pas si on dit Genova ou Genova. Normalement, G-E, c'est Genova, je crois. Je ne sais plus. Comment est-ce qu'on peut passer? Faut que je fasse demi-tour, je crois. Ah, peut-être qu'il faut que je les frappe, non? Ah, bah, ok. Attention! Le rocher va tomber par ici. Ok, j'ai trouvé au pif. Vite, Kuro! Profitons-en pour passer le pont. Ok. Au pif. Et là, ça va bloquer le passage, ok. Donc, c'est parti. Ok, donc on a passé le pont. Ah ouais, là on a des endroits chelous. Forêt hantée. Faut que j'aille tout au nord ou... orienté. On va essayer d'aller sur le ponton qui est tout en haut. Est-ce qu'on peut courir? Non, on peut pas courir. Ok, donc c'est bien ici que c'est dans la forêt chelou qu'il faut que j'aille. C'est parti, forêt hantée. Ouais, elle a bien l'air d'être hantée. Brrr. Cet endroit me donne la chair de poule. Je n'aimerais pas y passer mes vacances. On l'appelle la forêt hantée. Ah, hantée? Je déteste les fantômes. Mais enfin, les fantômes n'existent pas, mademoiselle Fina. Ah, c'est quoi ça? Vous avez entendu ça? Kuro, protège-moi. Mega Kling, protège-nous. Ok. Fantôme, hihihihihi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Maître Jaté nous a dit de ne pas vous laisser passer.
Faites demi-tour ou mourrez. Et si nous faisions demi-tour? Il doit bien y avoir un autre moyen d'atteindre le corps de mon père. Du moins, je l'espère. Pas question. D'abord, ces fantômes n'avaient pas l'air si méchants, et ensuite, on est plutôt pressé de rentrer chez nous, Kuro et moi. Alors, tu es d'accord, Kuro? On continue? Oui. Bon. Je vous laisse passer devant dans ce cas. Hihihihi. Je crois qu'on vient de trouver son point faible, Kuro. Ok, donc c'est parti. On va aller vers où? Ok, une musique rock'n'roll. Ah ok, il y a des zombies et tout. Ils sont pas possibles à tuer, on peut les tuer. Ah oui. Je pensais qu'on pouvait pas les tuer. Ah mais... Qu'est-ce que tu fais toi? Oh ma vie. Est-ce que ce que j'ai récupéré dans le magasin on peut manger? Gravité, mince. Gelée rouge. C'est vivant à votre avis? Non, on peut pas le manger. Il faut que je fasse attention à ma vie. J'aimerais bien récupérer avant de mourir. Alors attendez. Voilà. Voilà. On a un passage là-bas. Ok, on a sauvegardé, nickel. On va quand même aller voir ici, peut-être qu'on a quelque chose de caché. Oula, c'est quoi ça là-bas? Il y a un monstre à droite de l'écran. Je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est parti. On va continuer à monter. Hihihihi. Pas question que vous sortiez d'ici. Ah l'enfoiré. Ah mais oh, calme-toi le fantôme là. Ok. En fait, je pense qu'il va falloir que je tue tous les fantômes. Le premier est mort. Mince. Là. Ah, par contre, est-ce qu'on pourra retourner en bas? Ah ouais, il y a un chemin de l'autre côté. C'est quoi les flammes là? Ouais, ok, faut pas que je les touche. Ça veut dire qu'on a trois fantômes ici. Ah ok, c'est pour déterrer les zombies. Level up. Ok. Faut que je tue les fantômes. Faut que je tue les zombies avant. Ah si, je peux la toucher, non? Alors si, faut que je tue les fantômes. Les zombies avant. Et après, je pourrais la tuer.
là. Au suivant. On va aller vers le bas. Là-bas. Ok, alors on va tuer ceux-là avant. Voilà, donc là il doit avoir un autre fantôme. Ah, là ça va être un truc spécial. Il y a un code à trouver, je crois. Ouais, il doit avoir un code à trouver, mais on va pas le faire tout de suite, hein. Ça doit être quelqu'un qui doit nous le dire, et je pense que c'est le monstre qu'on a vu en bas. Calmez-vous, vous, là. Ah, j'ai plus de vie. Level up, ok, nickel. On a regagné de la vie. 4. Non, mince. Ok, donc le monstre est là, je sais pas qui c'est lui. Ok, c'est pas un ennemi. Alors, c'est vous les intrus qui ont pénétré dans ma forêt? Ok, c'est le maître de la forêt. Cette forêt appartient au roi de Démonia. Bien que proche de l'Empire, elle est sur notre territoire. Humains et démons, vous êtes tous pareils. Sans cesse à vous battre pour un trait sur une carte. Cette forêt est à moi car j'y habite avec mes amis les fantômes. Ces fantômes sont vos amis? Tout à fait. Ils me divertissent quand j'en ai envie. On dirait plus des serviteurs que de véritables amis. De véritables amis? Qu'est-ce que vous y connaissez, vous les humains? Si vous êtes si forts que ça, humains, trouvez mes fantômes. Vous ne traverserez pas cette forêt sans les avoir attrapés. T'inquiète, je vais les trouver, moi, tes fantômes. Il vous en reste encore 4 à trouver. Le pauvre, il ne sait pas ce que c'est d'avoir un ami. Décidément, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ok. Donc, bah, c'est parti, il nous reste 4 fantômes à trouver. Alors, est-ce qu'il y en a pas un ici? Non. Là on peut pas passer, ok, donc c'est parti. Il doit en avoir un ici. Ouais. Non mais calme-toi quand même. Ok. Donc plus que 3. Par contre, il y a un truc à côté là-bas avec un code. Mais c'est quoi le code? Peut-être qu'il faut que je fasse une technique au milieu là, avec mes noces. Ça va tous les toucher, je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est bien ça. Ok.
Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ah ouais, mais je peux pas sortir là. Oh, 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 oh. Ah ouais, je suis mort, ok. Oui. Donc c'est reparti. Ah mais il y a tous les ennemis qui sont revenus là. Ah bordel. Ouais. Ah on peut pas les esquiver en plus. Ah les enfoirés. Ah mais ouais mais tous les ennemis sont revenus là, ils voulaient que je fasse comment? Je vais mourir à chaque fois. J'ai déjà presque plus de vie bordel. Ouais. Plus que 4. Ah non ok. Ceux qu'on récupère on les a encore. Mais là pour esquiver ça, c'est la galère. Ouais voilà, je suis mort. Ah bordel. On va essayer de tracer en faisant attention. Mais c'est galère, il y a trop de boules. Ok, c'est réussi. On s'en fout toi le zombie. On va faire ça vite fait. Voilà, comme ça c'est fermé. Il y en a un qui est passé là de mort, je sais pas quoi là. Ah bordel. Mais c'est pas possible. Ah mais il passe les... Ah bordel. Ah ça va être compliqué je crois. Faut que je refasse tout doucement. Faut que je tue les ennemis sans qu'ils me touchent. Tu dégages. Toi tu dégages. Alors, eux on s'en fout. Eux aussi. Voilà, c'est eux qui vont nous faire chier. Voilà. Voilà. Oh non. Allez-vous-en, bordel. Ok, level up. Ça c'est nickel, on a plus de force. Voilà, là on devrait être tranquille. Ah non, il y en a encore un ici. Voilà. Donc. On va vite aller tuer lui là. Hop. Nickel. Voilà, ça c'est fait. Donc il ne nous en reste plus que deux. Et ils doivent être tout en haut. Ouais, ok. Donc on va sauvegarder ici. On va se laisser ici pour cet épisode. Donc il ne nous reste plus que deux fantômes à choper. Et je pense qu'on pourra sortir de cet endroit. Donc, comme d'habitude, si cet épisode vous aura plu, laissez un like pour me le faire savoir. Et on se dit à la prochaine. Salut !